Salut les gens, c'est Amnesia, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment très bien. Et là donc je vais vous commenter donc ma plus belle partie. Bon, ma plus belle partie, peut-être que c'est pas la quand même la plus rapide que j'ai faite, ça c'est sûr même. Mais c'est vraiment la série la plus longue que j'ai faite en KEM, ça je peux vous le dire. Est-ce que c'est une double KEM non broke ou pas? Bah, c'est à vous de le voir. Donc déjà en premier lieu, bah, je tiens à vous informer que je rentre dans la Unity Clan, c'est officiel. Et d'ailleurs, ben, je vais me présenter donc pour justement les abonnés de la Unity Clan et pour d'ailleurs les membres de la Unity Clan qui vont voir cette vidéo qui va être upload. Donc, ben, écoutez, je m'appelle Amnesia, donc IRL, je m'appelle Corentin, hein, donc j'ai 18 ans. Ma passion, ben, comme vous voyez, c'est les jeux vidéo, YouTube, etc. Bon, les cours aussi passent un peu avant YouTube, mais il y a quand même pas mal de vidéos, des gros massacres bien sûr, je suis un joueur massacre, je suis rentré dans la Unity pour justement bah, mes performances, c'est-à-dire bah, les plus 100, plus 200 kills, et les grosses KVM, les gros gameplay nucléaire. Mais bon, on n'est pas là pour moi, on est là pour la vidéo, et donc bah, on se retrouve à la SC 2010, et c'est vraiment un énorme gameplay. Donc je jouais avec Tracker, j'avais aussi Tour de Passe-Passe. J'avais pas fin prêt, je crois que j'avais comme atout, j'avais silence de mort, j'avais amplification pour entendre un peu plus les ennemis. Et je crois que c'était tout, je crois que j'avais pas de secondaire, j'avais pas de mortel, j'avais pas de tactique. Et voilà, je crois que j'avais aussi le truc pour recharger en courant, mais ça je ne suis vraiment pas sûr parce que ça ce gameplay date un peu et je ne sais plus du tout quels étaient mes atouts que j'utilisais avec cette classe. Donc en atout donc bah de spécialiste, j'avais donc hors radar, marathon et détermination qui sont quand même on va dire les trucs les plus importants hors radar. D'ailleurs c'est pour les drones etc. C'est vraiment le meilleur truc que je vous conseille à mettre et détermination donc pour faire la KEM en un kill de moins parce que des fois bah, on s'est pété à 24 quand on n'a pas détermination et ça c'est vraiment rageant les gars. Donc je vais peut-être parler un peu de peut-être mes projets et après bah, je vais faire le déroulement de la vidéo normale parce qu'elle va être aussi upload sur ma chaîne et c'est aussi pour mes abonnés qui sont là et puis ben en tout cas ben je remercie déjà la Unity Clan de m'avoir proposé de venir. J'étais vraiment touché d'avoir une proposition de leur part et je leur en remercie gravement. Donc aux abonnés de la Unity Clan, donc mon PSN, donc c'est Darkrun54, donc ben, j'accepte tout le monde. Donc, au pire, passez sur ma chaîne si vous savez pas comment ça s'écrit, ce sera dans l'une de mes vidéos. J'ajoute que j'accepte vraiment tout le monde. Si vous voyez que vous avez un truc, que j'ai trop d'amis, envoyez-moi carrément un message. Dites-moi, t'as trop d'amis et j'aimerais bien jouer avec toi. Parce que bon, j'ai des personnes qui se connectent de plus depuis un certain moment et je pourrais donc vous faire de la place sans problème. Donc, après, bien sûr, je vous oblige pas de jouer en soutien. Moi, rien qu'aujourd'hui, sans vouloir me vanter, bien sûr, j'ai joué, on va dire, à Code Ghost, j'ai joué 1 heure. J'avais pas trop le temps de jouer, j'ai joué 1 heure, j'ai casé 3 KEM solo. Je suis assez content de ça. Je suis assez bon question des KEM. J'ai pas trop besoin de soutien, comme vous le voyez. Bon, il n'y a pas trop de soutien. Mes potes jouent vraiment comme ils veulent. Mes abonnés jouent comme ils veulent. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas vraiment besoin d'une team soutien. Bon, après, bien sûr, team soutien. J'ai passé un message pour recruter une team soutien sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, bah, allez voir ma chaîne. Moi, personnellement, bah, ça m'intéresserait grandement d'avoir de nouveaux abonnés et une nouvelle communauté donc qui viennent regarder mes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Mais bon, c'est pas pour ça que je fais des vidéos et que je passe sur la Unity, c'est surtout bah, pour me présenter déjà. Et bah, j'espère déjà que vous allez aimer mon commentaire et m'accompagner donc dans cette vidéo. Ce qui est bien sûr des fois pas quelque chose de très 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 apprécié. Donc pour les nouveaux, etc. C'est des fois, on va dire, très dur de se faire accepter par on va dire la communauté qui ont l'habitude de voir les anciens commentateurs. Donc comme vous le voyez, bon, je temporise pas mal parce que bon, j'étais quand même à 18 de ma série et la partie d'avant, bah
Si je me rappelle bien, je crois que je m'étais fait péter à 22. Et là, j'avais pas envie vraiment de rater ma série KEM. Et vous allez voir que après, quand j'ai fait ma KEM, j'étais vraiment content. Et là, j'ai commencé à rusher un peu à la n'importe quoi. Et enfin, à n'importe quoi. J'ai vraiment bien, bien rusher parce que je vais bien enchaîner. Et est-ce que je vais faire la double KEM? C'est à vous de voir, bien sûr. Ça, vous aurez la réponse donc à la fin de la vidéo. Bien sûr. Je pense que vous n'allez pas être des sadomasos à dire « Ah vas-y, tu rates ta KEM, tu rates ta KEM, toi !» Bon, ça c'est pas non plus ce que vous voulez, mais est-ce que vous allez être déçu ou pas? Bah, vous allez me dire de ce que vous pensez déjà de mon commentaire. Pas mal de gens disent qu'il est plutôt pas mal, moi je le trouve, on va dire, normal. Je m'écoute pas trop commenter, j'aime pas trop entendre ma voix, ce qui est normal. Hein. Je pense que tout le monde n'aime pas entendre non plus sa voix dans les commentaires. Mais bon, je vous le cache pas, je fais plus ça parce que bon, si j'aimerais pas ma voix, déjà je serais pas sur YouTube. Si j'aurais une voix, à 18 ans, si j'aurais une voix aiguë, c'est sûr, j'aurais pas commencé YouTube, ça je peux vous le dire. Mais vraiment, voilà, je suis présent sur YouTube, on a une communauté de bientôt 700 abonnés. Et au passage, je les remercie à tous mes abonnés, à tous ceux qui vont peut-être venir s'abonner au passage KEM. Et ça me ferait énormément plaisir d'avoir une nouvelle communauté. Et de, bien sûr, on va pas dire me faire accepter dans Unity Clan vu que je suis déjà dedans. Mais de vraiment d'être confirmé dans la Unity Clan et comment dire, on va dire, passer, on va dire, un bon séjour parmi eux. Et j'espère que la Unity Clan, là qui ont à peu près 2000 abonnés, va vraiment grimper en ampleur. Parce que bon, il y a quand même pas mal de très bons joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui font des bons délires dans leurs vidéos. Et ça, franchement, je suis assez content de ça. Il y a une bonne ambiance là-dedans. D'ailleurs, un petit AFK. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais bon, c'est la seule fois que je l'ai tué, je crois. Ou non, je l'ai tué deux fois, je crois. Mais je suis vraiment pas sûr. Et donc, voilà. Ça, c'est bientôt la fin de la vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, un grand merci déjà à toute la Unity Clan de m'avoir accepté parmi eux. J'espère vraiment pouvoir faire des doubles, voire même des team commentaries sur. Le mieux, c'est des doubles commentaries. J'aimerais vraiment, pardon, faire des commentaries avec eux. Ce serait vraiment super. Moi, j'aime bien faire des doubles commentaries. J'en ai fait avec des potes et malheureusement, j'ai dû les enlever parce que c'était sur mon ancienne chaîne et. Par contre, si vous venez vous abonner, je vous promets que vous aurez donc déjà un gameplay par jour, ça c'est sûr. KEM, Massacre, Fun, Tuto, et bien sûr d'autres jeux du genre Minecraft, etc. qui risquent d'arriver comme des MMORPG peut-être, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et même à vous abonner à la Unity Clan ou à ma chaîne. Et bien je vous dis salut tout le monde!